Stewart l'affirme, trois des meilleurs pilotes au monde sont britanniques. Nous avons à présent trois des meilleurs pilotes au monde qui sont britanniques. Lewis a gagné de temps avec Mercedes, certes, l'équipe est allemande, mais elle est basée à Brackley, en Angleterre, car la Grande-Bretagne est clairement la capitale des technologies liées au sport auto. Ouais, alors c'est ça me fait rire aussi que l'Arabie Saoudite veuille faire venir à toutes les équipes de Formule 1. Elles sont quasiment toutes basées en Grande-Bretagne, les équipes de F1, qu'est-ce qu'ils vont aller déménager en Arabie Saoudite? Ils sont perchés, hein. Si ces pilotes comptent parmi les meilleurs, seront-ils pour autant en mesure de disputer le titre en 2023? Leurs équipes leur fourniront-elles le matériel nécessaire à ces fins? Si Stewart ne peut le prédire, il affirme en revanche que les trois concernés sont tout à fait aptes à décrocher le sacre mondial. Nos trois pilotes en sont capables et j'aimerais vraiment que l'un d'entre eux remporte le championnat cette saison. Ce serait fantastique. Ouais, bon alors il y a les pilotes Mercedes et Norris, hein, de Grande-Bretagne. Cette saison, Norris, ça va être compliqué, hein, honnêtement. Mais les pilotes Mercedes, pourquoi pas, effectivement, si la voiture est compétitive. Bah écoutez, seul l'avenir nous le dira. Je vous laisse commenter.